Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de V-Rising. Alors dans cet épisode, on va essayer de faire un nouveau boss, d'accord? On va essayer de faire un nouveau boss. J'ai toujours pas trouvé la cape. Et j'étais en train de me demander si des fois, c'est pas quelque chose qui aurait été looté. Qui serait tombé au sol et que... comme j'avais plus de place dans mon inventaire, ça se trouve j'ai pas pu la prendre. Bon, et j'essaye de mon côté d'aller la retuer. Ça pourrait être pas mal. Alors, avant de partir, hop, je vais vider tout ça. Hop. Parfait. Ok. On va me faire des lingots de fer. Hop. Ok, parfait. Alors, qui est-ce qu'on va voir? Il y a Tristan, le chasseur de vampires, Christina, la prêtresse du soleil. J'essaierai bien lui. Ah oui, il débloque la grande épée. Ouais, cool. Ah, oui, alors attendez, justement, on va regarder ça. Cap offrant à son porteur une certaine protection contre les éléments. À mon avis, ouais, ça a dû être looté. Ça a dû être looté et... ouais, comme j'avais plus de place dans mon inventaire, ça se trouve c'est resté au sol. Parce que je l'ai pas trouvé. Bon, on va essayer lui. À la nuit, mince, elle est bien avancée. Il est loin. Il est pas si loin que ça, en fait. Ok. Allez. Alors, le voilà. Plutôt prendre ça. Désolé, je suis concentré. Thank you.
Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est pas vrai. J'étais presque mort. Désolé de pas avoir beaucoup parlé, hein. J'étais concentré. Ouh. Je vais vous avouer que c'est la deuxième fois que je le fais. Non, 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 non. Ah. Je croyais que les PNJ allaient me tuer. Je n'allais pas me retirer ce plaisir. Bon, on ramasse tout ça, hein, c'est bon ça. Ouh. C'est compliqué, hein, c'est la deuxième fois que je le fais. Et j'avoue que là, je croyais pas y arriver, je me suis pris des coups, il me restait plus de vie. Fallait pas que je me fasse toucher, je me suis pas fait toucher. Ouh, j'ai les mains moites, je vous le dis. Oh purée, faut qu'on rentre à la base. Il y a un petit peu de chemin à faire, mais... Allez, on y va. Alors, nous voilà de retour à la base. Alors, voyons voir ce qu'on a appris avec Mister. Déjà, on a un sort. Ah, je peux choisir quelque chose comme ça. Ça, c'est quoi, ça? Canalise un rayon d'énergie qui inflige 250% de dégâts magiques et applique drain aux ennemis touchés, tout en soignant les alliés à hauteur de 200% de votre puissance magique par seconde pendant 3 secondes. Chaque cible touchée vous soigne à hauteur de 75% de votre puissance magique. D'accord, donc ça me soigne aussi. Ça peut être pas mal. Après, il faut voir comment ça fonctionne. Frappe de cœur, foncez vers l'avant pour percuter les ennemis en ligne droite. Infligez 150% de dégâts magiques et vous soigne à hauteur de 150% de votre puissance magique pendant 3,5 secondes. Ah, pas mal ça. Une nova sanglante explose quand l'effet se dissipe, inflige 150% de dégâts magiques et applique drain à la victime et aux ennemis proches. Je pense que je vais prendre celui-là. Ouais, il est pas mal. Bon, ça serait peut-être bien qu'on essaye de le tester aussi. Celui que j'avais là était pas mal aussi. Ok. Ok, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on apprenait avec lui jusque? On apprenait la grande épée. Donc, avoir... Ouais.
Soif de sang permet de reconnaître instantanément le groupe sanguin et la qualité du sang des unités proches. Ok. La grande épée. C'est où ça? C'est où, c'est où, c'est où? Ah, j'ai looté ça aussi. Ah, je l'ai pas appris ce sort, ça serait pas mal. Gants de mage noir. Ça, c'est dans études. Ok. Mais la grande épée, ça se... Ah, attendez. Où est-ce qu'on fait la grande épée? Bon, je regardais, on sait jamais. Débloque la capacité de fabriquer de grandes épées. Ok. Mais où? Social, non, ça on s'en fout. Où est-ce que c'est qu'on apprend à fabriquer l'épée? C'est pas là quand même. Non, ça c'est les constructions de base. Épée de cuivre, lance. Impitoyable. Bah alors là, je sais pas du tout où est-ce qu'on apprend ça. Dans les livres. Non, c'est je peux pas. Ça, bureau de recherche. On peut voir, mais je crois que je l'ai déjà. Études, études, études. Ok. Donc ça, c'est là où on apprend à faire ça, les papiers. Non, vous voyez, je le connais déjà. Ouais. Sol de forge, il est là. Ok. On va mettre ça là. Un peu de rangement. Peut-être voir aussi si je peux peut-être me faire des potions. Celle-ci là, breuvage permettant de récupérer 40% de santé, ça c'est pas mal. Il me faut quoi? Je peux pas la fabriquer, celle-là. Je crois que je peux l'acheter, ça c'est sûr. Il faudrait l'acheter en fait. Ok. Non. Augmente la puissance magique de 3, ça serait pas mal. Étant donné que le sort que je vais utiliser par. Justement, utilise la puissance magique. Breuvage augmentant la puissance magique de 3 pendant 60 minutes. Alors, est-ce que celui-là... Ah non, ça, c'est la puissance physique, pardon. Ok, bah, ça peut être pas mal aussi. Donc, c'est des arêtes de poisson et une outre vide. Ok. J'ai 55 arêtes de poisson. Par contre, des outres vides. Combien j'en ai pris des 27. Ouais, on va pas en faire 20, on va pas en faire autant. Arête de poisson et quoi? Ah, je sais plus. Des œillets infernales.
Alors ça par contre... Ah bah si, c'est bon. Hop. Je peux en faire deux. Bon, pour l'instant c'est pas mal déjà. Ça dure 1 heure donc c'est pas mal. Je pourrais la mettre à la place de l'arc que j'utilise pas beaucoup. Allez, 8 secondes. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors. Armes de cuir de qualité supérieure. Ça, on peut pas le mettre là? Ah non. Ok, bon, on verra plus tard ça. Ça se trouve, c'est la fameuse grande épée. Mais alors, je sais pas comment ça s'apprend. Alors, peut-être que. Donc, lui, on l'a eu. Ah, mince, oui. Ah, mais non, oui, c'est vrai, c'est ça. C'est juste les sorts qui se mettent, ouais. Oui, ouais, c'est bête. Toi, tu vas m'apprendre quoi? Sac en fil d'argent, ok. Les bougies, ok. Illusion, ça peut être pas mal ça. Et toi, tu vas m'apprendre les cellules de prison. Planche renforcée. Et point de sort, givre. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Mais les prisons, ça me sert à quoi? Conduisez un humain envoûté dans la cellule de prison pour l'emprisonner. Vous pouvez ensuite prélever le sang de vos prisonniers, pardon, pour fabriquer des potions de sang. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ensuite? L'étude. Ah, ça va être contre Maja, la savante sinistre. Ok. Et ça, c'est quoi? Étagère murale. Hein? Et toi, tu vas nous apprendre la table d'artisanat. Peut-être que c'est là. On peut fabriquer les objets que bah, j'arrive pas à trouver pour le moment. Donc ça serait Léandra, la prêtresse des ombres. Wow. Sonnette nocturne, décoration. Ok. Débloque la capacité de fabriquer des faucheuses. Unité qui apporte des os. Possibilité d'obtenir également des pierres du fléau. Et de la poussière de tombe. D'accord. Ok, à voir. Ok, à voir, à voir, à voir. Ensuite. Ça, pour l'instant, je l'ai pas, ce sort-là, donc je vais mettre ça là. Ça, bah, ça, je l'aurai pas. Non. Celui-là, je l'ai pas non plus. Ok, alors. Je vais continuer à ranger parce que là. Non. Je pourrais peut-être aller voir les marchands. On sait jamais, peut-être que. Ouais, peut-être que j'aurai des bouquins en plus. C'est pas mal, on peut faire ça. Ça, je peux le mettre là. Ok. Ok. Ça, non. Quoique si, peut-être.
Ah, attendez, j'ai peut-être des plantes aussi qui ont... qui ont grandi, qui ont poussé, je veux dire. Ah, yes. Oh, ça, c'est pas mal. Oh, c'est bon. Ok. Ok, bon ça c'est bien. Donc les plantes. Allons voir les vendeurs. Pendant qu'il fait encore nuit. Ils sont où? Ils sont là. Allons voir les vendeurs. Peut-être que leur stock s'est réinitialisé. Et qu'on va avoir de quoi apprendre de nouvelles choses, pardon. Ça serait bien que j'essaye de... Alors les sets d'armure, ouais, c'est un petit peu embêtant parce que... Soit je fais un set complet... Ouais, soit je fais un set complet et... Merci les gars. C'est gentil de m'aider. Vendeur de livres. Ça, par exemple. Ça, je connais déjà. Je connais déjà. Déjà connu. Il manque ça, apparemment. On va acheter ça. Toi. Non. Toi. Je peux acheter... Non, ça m'intéresse pas. Je peux acheter le breuvage de férocité. Hop. Le breuvage enchanté. Ok. Toi, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Ou me donner, tout du moins. Oh, chapeau de pèlerin était peut-être un peu mieux. Ok. Allez, on repart. Quoi tout ça? Ah oui, ça me redonne de la vie en effet. Oh. Ah mais ils sont combien là? Attendez les gars. Mal. Ok, c'est bon. C'est bon. Bon. Écoutez, c'est bien pour l'instant. On va retourner la balle. Je pense qu'on va arrêter ici. On verra dans le prochain épisode ce qu'on peut faire comme boss. Je vais quand même apprendre le bouquin que je viens d'acheter.
Ok, allez, on va voir ça. Mais il reste encore des choses, hein. Marcheur de l'ombre, marcheur de l'ombre. Pour l'instant, j'ai pas le set complet. Voyons voir. Ouais, marcheur de l'ombre. Ah, c'est plus du physique, ça. Le ranger aussi, pas mal. Diminue le temps de recharge des armes de 8%. Augmente le niveau d'équipement de 1. Ça peut être bien aussi. Celui-là, plus axé sur la magie. Augmente le drain magique de 6%, ça peut être pas mal. Faire un 7 par contre, ouais, ça va me retirer de la vie. Vu que j'ai deux demi-sets. J'ai le maraudeur qui me donne 76 de santé. Qui me donne 60 de santé en plus. Les deux pièces de 7. Ouais. À voir. Donc je pourrais peut-être faire celui-là si je suis axé magie, mais bon. Affaire à suivre. Ok, on va arrêter ici. Ok. J'espère que ça vous a plu. Peut-être épisode pas très long, mais bon. On a quand même réussi à avoir le boss. Enfin le 100V sur le fil. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Bon, moi, c'était la deuxième fois que je le combattais. Hein. Je l'avais déjà combattu une fois. Et je me suis fait tuer, donc je suis revenu. Puis je l'ai fait la deuxième fois. Pour rien vous cacher. Ouais. Le temps de connaître déjà sa strat, mais bon. Ouais, pas évident, pas évident. Mais ça a été. On l'a eu. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.